Bonjour tout le monde, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo dans mon atelier aujourd'hui, voilà, dans mon atelier parce qu'aujourd'hui c'est du scrap, voilà. Fifi, comme d'hab, elle m'a suivi même dans mon atelier, elle vient vous dire bonjour, ou enfin elle vient plutôt m'embêter. alors, aujourd'hui, spécial. Alors, bonjour Fifi, voilà. Hop. Alors, aujourd'hui, on va utiliser un objet plutôt, comme vous avez vu dans le titre, qui n'est pas habituel dans Scrap. Voilà. Mais que l'on dévalise en ce moment dans les magasins. Pourquoi ? On ne sait pas. Je vous assure, c'est pas moi qui dévalise dans les magasins. C'est ça, le papier toilette. Non, et mange pas mes dice, merci. Voilà, on va utiliser le papier toilette. Et oui, dans le scrap, vous savez, on peut utiliser tout et n'importe quoi. Vous allez vous dire, ça y est, Edith, elle pète les plombs. Mais non, on va faire une carte, donc, avec du papier toilette. Pourquoi pas? Alors, l'idée vient pas de moi. Je vous rassure. Enfin, bon, elle aurait pu venir de moi, hein, pourquoi pas. C'est en regardant des chaînes américaines. Je n'aurais pu vous dire les noms des chaînes, hein, parce que, voilà. Que j'ai trouvé l'idée sympa, voilà. Et j'ai dit, pourquoi pas, on va essayer. Voilà. Alors, il va vous falloir du papier toilette, un vaporisateur avec de l'eau. Bon, j'ai pas trouvé plus petit. Hein. Si vous avez plus petit, c'est une pour mes plantes. Du sopalin, mais ça, c'est juste pour si je mets trop d'eau partout. Il va vous falloir une plaque d'embossage. Alors, moi, j'ai choisi celle-ci. Alors, je pense que ça, c'est une qu'on m'a offert. Je viens de la retrouver dans le rangement de mes plaques. Je n'ai plus aucun souvenir de cette plaque. D'ailleurs, c'est une plaque dont je ne me suis jamais servie. Je ne pense... Fifi ! Mais maintenant, elle s'attaque à ma Big Shot. Elle a décidé, hein, aujourd'hui. Et j'ai plus le souvenir. Je pense pas que c'est moi qui l'ai acheté. Arrête! Ah, voilà ce qu'elle a vu. Elle a vu mon rouleau de washi. Elle voulait l'attraper. Donc, je disais, je n'ai pas le souvenir de l'avoir acheté. Donc, c'est celle-ci. Voilà. C'est une Cizik. Donc, est-ce qu'elle a un nom, celle-là? Fifi! Ça y est, elle a décidé de me foutre le boxon. Et mes mères, t'as voulu monter avec maman? Alors maintenant, t'es sage. on va y arriver. Donc, c'est marqué Sophie Guillard. Donc, ça doit être le nom de la plaque. Voilà. Bon, donc elle est toute neuve. Donc je vais essayer, je vais prendre celle-ci. J'ai sorti des dies papillons. Donc je ne sais pas si je vais utiliser les trois ou un seul ou deux. Ou voilà. J'ai sorti mes dies étiquettes. Voilà. Et j'ai sorti ce dies. Donc je ne sais pas si je vais l'utiliser encore ou pas. C'est un que je viens de recevoir de chez Amazon. Alors, il a mis une plombe pour arriver. D'ailleurs, la veille que je le reçois, j'avais annulé la commande. Et le lendemain, je l'ai reçu. Et bon. Donc, je vous mettrai le lien de ce dice. Je vais vous le mettre en barre d'infos. Voilà. Il est vraiment joli. Alors, je ne l'ai pas encore essayé. Hein. Je ne sais pas ce que ça donne. Donc, on va l'essayer ensemble tout à l'heure pour voir ce que ça donne. Voir si la qualité est bonne ou pas. Bon, je ne vous mens pas que vu le temps que ça a mis pour arriver, il ne vient pas de France. Hein.
Voilà. On va pas se mentir. Même sur Amazon, hein, de toute façon, il y a des choses qui ne viennent pas de France. J'ai sorti une carte. Alors, pour une fois, c'est pas une 15-15. Voilà. Alors, c'est une 10,5 sur 14,5. Voilà. Donc, j'ai pris une blanche. Donc, c'est celle d'action. J'ai sorti une carte stock comme ça, rouge, pour faire le fond de ma carte. Et des chutes. Donc, une chute rouge et deux chutes noires qui viennent de ce bloc-là. Hop, hop, hop. Voilà. Et bien sûr, il y a mes morceaux. Et bien, vas-y, ça tombe. Voilà, qui viennent de ce bloc-là. Voilà, je pense n'avoir rien oublié. Bon, puis bien sûr, je vais utiliser du double face. Alors, je pense que je vais utiliser ça pour le papier toilette, comme pour la colle. Et j'ai oublié de sortir mes... Alors, est-ce que je n'ai pas entamé ? Oui. Voilà. Mes carrés 3D. Voilà. Bon, ben, je crois que j'ai tout sous la main. Hein. On va pouvoir attaquer. Donc, pour attaquer, eh ben, je vais vous changer. Je vais vous rebasculer pour que vous voyez bien tout ce que je vais faire. À tout de suite. D'abord, le papier toilette. J'espère que vous voyez bien. J'essaie de cadrer au mieux. Voilà. Donc, on va prendre... Alors, par deux carrés. Une couche... Alors, moi, c'est du papier toilette de chez Action. Hein. Alors, prenez le blanc. Ou alors, si vous voulez, il existe, il y a le même hein, avec les petites fleurs bleues. Bon, si vous voulez celui avec les petites fleurs bleues, vous pouvez. Hein, ça, c'est pas un problème. Donc, je vais mettre 4 couches. On va voir ce que ça donne. J'ai pas fait d'essai avant. Donc, on va le faire à l'arrache. Voilà, donc là j'ai 4 couches, normalement ça devrait être bon. Voilà. Et on va vaporiser un peu notre papier. Et on va prendre notre plaque d'embossage. On va vaporiser un peu de l'autre côté aussi. Donc, on va mettre le papier toilette dans la plaque d'embossage. Je vérifie que vous voyez bien ce que je fais. Hein. On va la fermer, bien sûr. Et là, je vais prendre ma Big Shot. Oh, pardon, je vous fais bouger. Et elle est à l'envers. Non, elle n'est pas à l'envers. Oh, n'importe quoi. Parce qu'il y avait un carton coincé dedans. Donc, je vais mettre mon classeur en embossage. Alors, désolé, vous ne verrez pas la Big Shot là, à l'écran. Hop, voilà. Ça y est, Fifi est folle, elle s'attaque au mur. Et là, je passe ma plaque d'embossage normale, hein, comme... Alors, ce que je vais faire, je peux faire aussi, c'est passer... J'ai vu qu'elle faisait ça. Je vais repasser une feuille en plus. Une feuille là, je vais la couper pour qu'il y ait plus d'épaisseur. Voilà. Alors, j'espère que ça fonctionne hein, parce que je vous ai dit, je n'ai pas du tout essayé. J'aurais pas l'air bête, hein, si ça marche pas.
Ouais, ça marche. Et voilà. Et donc, là, pour l'instant, j'ai pas besoin de la Big Shot. Donc, je veux. Je ne vais pas le découper au ciseau, le trop, ce qui est en trop, je vais l'arracher pour que ça donne un petit effet. Voilà. Voilà ce que ça donne. Alors, je vais vérifier si je dois recouper ou pas. Oui, je dois recouper encore un petit peu. Ça vous fait un petit joli, un joli fond de carte qui sort de l'ordinaire. Hein. Voilà. Là, c'est bon. Voilà pourquoi je prends ce pas-là. Il va falloir que je nettoie mes tapis. J'en ai deux, mais là, ils sont pleins de colle. Donc, voilà. Alors, je voudrais donner un petit effet. Alors, est-ce que j'ai mon doré quelque part? Non, ça, c'est pas le doré. Bien sûr, ça va être le dernier, hein, on va voir. Ça, c'est l'argenté. Eh ben oui, c'est le dernier, bien sûr. Ben non. Ben, hein, il est où mon doré? Oh, que personne ne sorte. Ben, je retrouve plus mon doré. Bon, bah tant pis, je vais mettre de l'argenté. Mince. Voilà. C'était Art Bio. Voilà. C'est des encres bio, des encres végétales. Alors, je ne sais pas si la société existe encore. Parce que pendant un moment, ils fermaient, ils cherchaient un repreneur. Et je ne sais pas s'ils existent encore. Alors, là, je vais mettre un sopalin pour pas en mettre partout. Mais avant, je vais sécher mon papier avec mon hot gun, mais celui de Lidl. Hein. J'ai pas acheté le vrai, ça sert à rien. Alors, désolé, vous allez entendre du bruit. Voilà, ça sèche vite. Et donc, je vais mettre un peu d'argenté dessus pour donner un petit effet. Alors, je vais faire d'abord sur mon sopalin pour voir que ça, qu'il va encore. Ouais, ben, il va plus. Oh! Alors, zut, les filles! Je suis désolée. Bon. Pourquoi il veut pas aller? Ah, quand ça veut pas, ça veut pas. Ça m'embête. Est-ce qu'il est bouché? Eh ben non, il veut plus. Bon, ben, on mettra pas d'argenté, hein. On va faire autre chose. Je vais faire avec ma poudre Fimo. Je vais essayer.
sur les doigts légèrement. Voilà, ça, ça va. J'y vais très léger, c'est juste pour donner un petit effet doré, presque rien. On voit, il faut avoir la carte devant soi hein, pour le voir. Du coup, là, avec la poudre, ça aurait été mieux que mon papier reste humide, mais bon, c'est rien. Voilà. Ça me suffit. Donc, la poudre Fimo, c'est ça. Hein. C'est ce qu'on met sur les bijoux, les créations qu'on fait en Fimo. Donc, voilà. Donc, là, vous voyez, j'ai fait un bord arraché. Donc là, je vais faire mon tour en rouge, comme ça. Donc, j'avais dit 10,5 normalement. Alors, ça fait 14,8. Sur 10,5. Je vais faire mes traits sur l'envers. Alors 14,8. Je vais enlever 5 mm. Alors les filles, 14,8 moins 5. Ça fait 14,3. Je suis sûre que vous aviez la bonne réponse. Hein. Ma déco. Oh. Bougez pas, j'arrive. Me voici, me voilà. J'étais pas loin. Alors, où j'ai fait mon trait. Voilà. Et 10,5. Donc, on met 10. Voilà. Donc là, je vais mettre du double face sur ça. Vous me voyez toujours ? Je vous avance. Je sais pas si... Alors là, je vais bientôt me trouver prendre un nouveau bras de téléphone où ce sera beaucoup plus facile pour les prises de vue. Quand je l'aurai, je vous en reparlerai. Je vous montrerai. Et je vais essayer de reprendre un micro externe. Parce que bon, comme on m'avait dit des fois, et j'en dis ce qu'on vient pas, c'est vrai. J'ai déjà remarqué, des fois, on a du mal à m'entendre. C'est pas qu'on m'entend bon, pas du tout, c'est que des fois, ma voix, même si on le met à fond... ma voix est un peu basse, donc je pense que je vais prendre un micro externe pour qu'on entende mieux, que ce soit plus limpide sur mes vidéos. Un peu à la fois. Hein. Faire comme les pros. Mais bon, je fais un petit peu à la fois parce que bon...
Voilà, la carte dans le bon sens. Enfin là, bon, ça n'aurait pas encore de grande importance pour l'instant. Voilà, mon fond est collé. Hop là, je fais des bêtises. Et allez, je vous envoie Valdinguer en plus. Valdinguer, expression du Nord. Donc, je vais vérifier si mon papier va bien. Oui. Donc, je vais reprendre mon sopalin pour ne pas en mettre partout. Mettre ma carte plus loin pour ne pas lui mettre de la colle. Et je vais utiliser ma colle en bombe. Voilà. On va attendre que ça sèche. On peut remonter un peu les bords. Hein. Voilà, et tant que ça sèche, on va découper les petits papillons. Voyez ? Bon, là, c'est pas sec encore. Hein. On va la mettre sur le côté. Et on va découper nos papillons. Alors, je vais d'abord regarder si je fais les cœurs. Enfin, je vais quand même les faire pour qu'on voit si... On va essayer de faire les cœurs pour voir ce que ça donne, pour voir ce que le dice donne, celui-là. Alors moi, je colle toujours mes dies avec un bout de washi. Ça n'abîme pas le papier. Et le die, au moins, il ne bouge pas. Voilà. Donc là, on va le mettre dans la Big Shot. Mes plaques, je les ai déjà changées une fois. Hein. Et là, elle commence encore à... Alors, ce qu'il faut, c'est les retourner régulièrement. Mais bon, au bout d'un moment, on a beau les retourner. Ça s'use, ça s'use. Désolée, je vous fais bouger. Alors, on va repasser une fois par prudence. Voilà. Et on va voir ce que le dice donne. Oh, j'ai des petits cœurs. Des petits cœurs qui se promènent. Vous pouvez récupérer ça, les petits cœurs. Hop. Ah oui. C'est rien, hein, vous inquiétez pas. Hein. Ça me prend de temps en temps. Regardez, vous voyez. Ah bah oui, bah non. Alors, je peux pas l'utiliser là. Bon, bah c'est rien, j'utiliserai. Bah non, je croyais que ça allait me faire une... Voilà, bah non, c'est pas ça que je voulais. Bon, bah c'est rien, ça, je m'en servirai pour autre chose. Voilà ce que ça fait. Ah oui, non. Bah c'est pas ça que je voulais alors. Mince. Ça fait une comme une bordure, si on veut. D'accord.
Bon, ben ça rien, hein. Ça j'utiliserai une autre fois. Bon, ben on a vu que ça, qu'en tout cas il découpe bien. Hein. Voilà. Bon, il reste les petits ronds à ressortir. Voilà. Voilà. Mais sinon, vous voyez, nickel. Bon, ben en fin de compte, c'est une bordure. Voilà, bon, mais c'est rien, c'est pas grave. Ce n'est pas grave. Bon, je récupérerai les petits cœurs après. Donc, on va pas mettre ça, hein, du coup. Alors, je vais faire mes papillons. Alors, je vais déjà faire celui-là. En tout cas, ça fait beau. Je ferai une carte avec pour vous montrer. Moi, je passe toujours deux fois. Hein. Je suis comme ça, je suis plus sûre. C'est vous ce que je parle bien ce matin. Est-ce que c'est lourd cette big shot? Voilà. Ce papier-là ne supporte pas le... Comment? Aidez-moi. J'ai une petite brosse, voilà. Ne supporte pas le washi. Alors, vous voyez, une vieille brosse à cirage, qui a plus de cirage, qui a pas de cirage dessus. Hein. Pas besoin d'acheter la petite brosse Cizik. Hein. Alors, pour moi, le plus dur, c'est de récupérer le papillon. Voilà. Voilà mon papillon. Regardez ce que ça donne sur la carte. Alors, est-ce que j'en fais un deuxième d'une autre façon? Ouais, ce papier-là n'aime pas beaucoup la big shot, hein. Un autre. Là, ça va, papillon s'est enlevé tout seul. Deux, ça suffit. Ouais, non, le washi il ne passe pas bien sur ce papier. Et donc, je vais faire une petite étiquette.
Je vais la faire sans washi là parce que sinon ça va pas aller. Oh, ça craque. Voilà, et une petite en rouge. Voilà, alors normalement, je n'ai plus... Oh, désolée. Je n'ai plus besoin de ma Big Shot. Voilà, là c'est sec. Là, on va mettre un sentiment. Donc j'en ai des tout prêts. Hein. Et comme ça, vous voyez. On va mettre quoi? Est-ce que le joyeux anniversaire rentre dessus? Non. On va mettre... Je crois que j'ai des bonnes fêtes, maman. Ça va bientôt être... alors, fête des mères. Non, celui-là est trop grand. Joyeuse Pâques. Non, c'est avec des... Ça, non. Malheureusement, je ne vais pas mettre ça. Hein. C'est... Sincère condoléance, et oui, j'en ai aussi. Ça non, ça non, c'est plus d'actualité. J'arrive, hein, la fille. Je cherche. Ah, voilà, bonne fête, maman. J'adore ces stickers en forme de sentiment pour les sentiments. Sur le rouge. Je vais pas appuyer dessus tout de suite. Ah, j'ai plus d'ongles, alors c'est embêtant. Voilà, je l'ai. Si j'appuie pas dessus tout de suite, au moins je peux le replacer. Donc, maman. Ah, mais j'ai bonne fête, papa, en bas aussi. Tiens, je n'avais pas vu. Voilà. Je vous montre. Voilà. Alors, je ne sais pas s'il est à l'envers ou à l'endroit quand je vous le montre. Alors, je vous montre dans les deux sens. Voilà.
Donc, maintenant, c'est là que interviennent mes mousses 3D. Non, on va prendre des très épaisses ou pas? Non. On va prendre des moyennes. Ah, non, je veux pas autant. Voilà. Donc maintenant les papillons. Donc voir d'abord où je mets mon sentiment. Oui, je vais le mettre là. Pardon. Alors maintenant, sur le papillon, donc on va plier un petit peu pour qu'il donne du volume. Celui-là, il faut que je le coupe. Sinon, il va dépasser. Je suis un peu gnac-gnac, hein. Alors, des petites perles. Donc voilà. Alors, je vais vous montrer en même temps. J'ai eu peur, je croyais que j'avais fait ma carte à l'envers. Donc, on peut également. Alors, où est-ce que j'ai mis ça? Je vais regarder là. J'espère que je l'ai tout de suite sous la main. Je ne sais pas. Alors, je vais faire l'essai.
Alors, je ne sais pas ce qui va aller. Ouais, on va essayer avec le cœur, peut-être. Donc, ça, c'est la carte. On va reprendre du papier toilette. Donc, pour l'instant, je vais en prendre deux carrés. Hop. Je vais les couper en bandes. Bon, je les coupe au ciseau. Hein. Je pourrais les couper à la main. Hein. C'est pas un problème. Alors là, je ne sais pas du tout si ça va fonctionner. On va voir. Allez, je vais mettre... Hop. On va mettre de l'eau. Et on va faire un cœur. Donc je prends un moule comme ça. On garde son vaporisateur près de soi. Parce que là, il faut que ce soit bien mouillé. Pas trempé, hein, mais mouillé. Donc là, je sais pas. Hein. On essaye. On fait des essais. Je vais reculer la carte. On ne sait jamais. Donc, ce qu'il faut, c'est bien remplir. Bon, je n'ai pas choisi le modèle le plus petit. C'est bien bien tassé. Bon, je crois qu'il va falloir que j'en prenne encore un carré ou deux. Mais qu'est-ce qu'elle me fait, Didite, hein? Vous êtes en train de vous demander. Qu'est-ce qu'elle est en train de nous faire? Moi, je croyais que ça filmait plus. Ah, j'ai eu peur. Désolée, le bruit, c'est mon bracelet sur la table. Comme je ne l'enlève jamais, je ne l'enlèverai pas. Voilà. Depuis que mon mari me l'a offert, je ne l'ai jamais retiré. Même pour la douche, je ne l'enlève pas.
On peut en mettre un ou deux. Je crois que ça va suffire là. Là, c'est bon. Ce qu'il faut, c'est bien tasser, 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 tasser. Et voilà. Un petit embellissement au papier toilette. Alors, ce qu'on va faire, on va le sécher. Du mieux qu'on peut. Donc ça, j'ai plus besoin. Désolée pour le bruit. Donc voilà. Bon, là, il n'est pas encore tout à fait sec, hein, c'est parce que je ne vais pas faire durer la vidéo pendant 2 heures. Mais voilà, vous avez un embellissement fait en papier toilette. Donc, une fois qu'il est sec, il sera dur, hein. Vous n'aurez plus qu'à le laisser tel quel si vous le souhaitez, à le peindre, à le décorer. Ensuite, vous pouvez le coller sur une carte. Vous voyez, je vais le mettre. Voilà, on peut le mettre sur la carte, voilà, si on veut. Donc moi, là, quand il sera complètement sec, bah, je vais le décorer, et puis je vais vous le montrer à la fin de la vidéo. Donc voilà, c'était mes petits trucs avec le papier toilette pour aujourd'hui. Ah, mon sopalin est collé. Attendez, je vous remonte. Me revoilà. Alors, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Voilà, donc la carte. Donc, je vais remettre des petites perles là. Attendez, ça fait... C'est comme s'il me manquait quelque chose. Alors, attendez, juste une petite seconde. Voilà, je ne voulais pas se coller. Donc, voilà la carte. Donc, avec le papier toilette. Vous voyez, c'est tout simple. Hein. Donc là, le petit cœur que j'ai fait... L'embellissement en papier toilette, si je veux, je peux le coller là, le décorer et le coller ici. Voilà. Donc, les petits embellissements en papier toilette, ben, vous pouvez faire ce que vous voulez. Hein. Il vous suffit d'avoir le moule et après, vous mettez du papier toilette humide. Vous voyez, pas complètement sec. Hein, donc, je fais attention en le tenant. Voilà. Donc, après, vous pouvez le décorer, le mettre en peinture, faire ce que vous voulez. Donc voilà, bah, écoutez, j'espère que ça vous a plu, que vous aurez appris une nouvelle technique aujourd'hui. Dites-moi ce que vous en pensez. Plein de commentaires en dessous, voilà, plein de petits pouces bleus. Et bah, dites-moi si vous avez refait cette technique et ce que vous en avez pensé. Voilà,
Allez, je vous laisse pour aujourd'hui. Je vous fais des gros bisous et je vous dis à très bientôt pour de nouvelles aventures. À bientôt. Bisous, bisous.